Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Invitant des amis, connectons-nous. Shalom. Éternel Dieu tout-puissant, nos cœurs assoiffés de toi, réunis devant ton trône, nous te désirons. Qu'aborde, touche-nous, que ta gloire nous transporte dans ta présence de sens lieu. Qu'aborde, 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 qu'aborde. Nous te désirons dans ta gloire de sens lieu. Touche-nous, change-nous, transforme-nous. Qu'aborde, qu'aborde. Nous désirons ta gloire, Yahweh, celle que les hommes ne nous donnent pas, celle que la chair ne nous donne pas. Oh, ta qu'aborde, le pouvoir du surnaturel. Shalom, shalom, shalom. Aimons la vidéo, partageons. Nous désirons ta gloire, Seigneur. Qu'aborde, 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 Yahweh. Remplis-nous de ta présence. Shalom, shalom, shalom. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez. Ok, est-ce que le son est bon? Gloire à Dieu. Soyez bénis ce midi, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Nous sommes dans notre session de PPRS. Amen. Je vais prier le Seigneur et nous allons commencer notre session de ce midi. Gloire à Dieu. Alléluia. Tendre Père de gloire, nous te bénissons encore ce midi. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta vie dans nos vies. Car nous reconnaissons, ô Père, que si nous vivons, c'est par toi que nous vivons. Si nous marchons, c'est par toi que nous avons la capacité de marcher. Si nous respirons, Seigneur, c'est par toi que nous avons la capacité de respirer. Alors nous te disons merci. Car tu es le protecteur de nos âmes, tu es le possesseur de nos âmes, le Shiloh. Nous voulons encore te dire merci pour ce temps merveilleux que tu accordes, que nous puissions encore être dans ta présence, pour ce temps glorieux que tu nous permets encore, ô Dieu, d'accéder devant le trône de ta grâce. Reçois la gloire et la louange.
Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce temps de prière et que nos cœurs soient, Seigneur, des terrains fertiles qui vont recevoir ta parole et que ta parole puisse produire, Seigneur, en chaque personne qui écoute, Seigneur, en chacun de nous, des fruits dignes de la repentance dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu bénisses ton peuple, que tu bénisses tes enfants, que tu bénisses, Seigneur, tous les membres de la TPS, que tu bénisses, ô mon Dieu, Seigneur, que tu te souviennes de tous ceux qui soutiennent la TPS par leurs finances, ô Dieu, tout celui qui a déjà donné quelque chose, Seigneur. Ma prière est que tu puisses, Seigneur, te souvenir de lui. Ma prière est que, Seigneur, toi qui es le Dieu fidèle, le Dieu des alliances, que tu puisses agir dans la vie de cette personne, dans le nom de Jésus. Prends le contrôle de ce temps de prière, Saint-Esprit, tout pour la gloire de Jésus, tout pour toi, Saint-Esprit. Règne en maître et en seigneur maintenant, dans le nom puissant de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Alors, s'il vous plaît, partageons la vidéo. Partageons la vidéo, partageons, invitant des amis à se connecter. Si vous avez la possibilité de vous connecter sur Telegram, alors s'il vous plaît, envoyez un message sur Telegram. Dites à la famille que nous sommes déjà là, nous sommes déjà connectés pour notre session de ce midi. Amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Nous disons bonjour au Saint-Esprit. Nous disons shalom à la personne qui est connectée à côté de nous. Choisissez juste la personne qui est au-dessus de votre nom. Et choisissez aussi la personne qui est en dessous de votre nom. Amen. Voilà. Avant de choisir que la personne que tu aimes bien, avant de choisir la personne que tu connais, choisis la personne que l'Esprit te met juste à côté de toi. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, s'il vous plaît, aimez la vidéo comme ça. Cette vidéo pourra être proposée à d'autres personnes. Là, maintenant. Amen. Aimons la vidéo. Maintenant, vous qui êtes déjà là. Aimons la vidéo, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans notre session de la PPRS où nous préparons au retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et notre thème de ce midi, c'est connaître Jésus-Christ, ma passion. Connaître Jésus-Christ, ma passion. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'écrire? Connaître Jésus-Christ. Normalement, j'aurais dû mettre une virgule, donc mettez virgule, ma passion. Amen. Connaître Jésus-Christ, virgule, ma passion. Gloire à Dieu. Connaître Jésus-Christ, virgule, ma passion. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors j'aimerais vraiment que nous puissions monter encore. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la session de ce matin. Alléluia. Sa grâce était là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors en attendant que les autres arrivent, j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que vous allez bien? Si tu vas bien, tu mets 1, le chiffre 1. Si tu vas moyen, tu mets le chiffre 2. Si tu ne vas pas vraiment bien, tu mets le chiffre 3. Alléluia. Est-ce que je m'adresse à toi? Je ne m'adresse pas à vous. Est-ce que tu vas bien? Si tu vas bien, tu mets le chiffre 1. Si tu vas un peu bien, tu mets le chiffre 2. Si tu ne vas vraiment pas bien, tu mets le chiffre 3. Gloire à Dieu. Je pense que je ne suis pas décalée par rapport aux commentaires, non. Donc, je suis bien avec vous. Voilà, on se donne juste quelques 30 secondes. Répondez à ma question. Je vais bien, je mets le chiffre 1. Je vais moyen, je mets le chiffre 2. Je vais pas bien, je mets le chiffre 3. Gloire à Dieu. Shalom. Ok, Lilor soit béni. Gloire à Dieu. Baratini soit fortifié. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, je te prie maintenant, ô Dieu. Toi qui es Yahweh Elohim, le créateur du ciel et de la terre, celui qui vit à jamais, celui qui agit dans l'invisible et le visible, je prie, Seigneur, toi qui es Yahweh Sabaoth, toi qui es l'éternel, le Dieu créateur de toutes choses, toi qui es l'éternel des armées, de prendre, ô Dieu, en considération, Seigneur, la prière de tes enfants, ceux qui se connectent maintenant, Seigneur, ô Dieu. Père, bénis ceux qui vont bien, bénis-les encore. Ceux qui vont mal, Seigneur, ô Dieu, que tu étends ta main et que là où il y a besoin de solution, que tu donnes la solution. Là où il y a besoin, Seigneur, de guérison, que
Que ta guérison descende maintenant dans le nom de Jésus. Là où il y a besoin, Seigneur, ô Dieu, de ton intervention, toi qui es l'Éternel des armées, que tu envoies tes anges afin d'intervenir dans la vie de tes enfants maintenant, alors que je suis en train de prier. Seigneur, que ton intervention divine descende dans la maison de cette sœur, dans la maison de ce frère, maintenant, dans le nom de Jésus. Et que par le Saint-Esprit, tu localises la personne qui a besoin de ton intervention divine maintenant. Seigneur, interviens maintenant. Interviens maintenant. Seigneur, la personne qui a le cœur brisé, la personne qui a l'âme affaiblie, la personne, Seigneur, qui a le cœur, Seigneur, qui est brisé, qui a mal. Seigneur, que tu puisses intervenir maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour ceux qui vont bien et que tu puisses encore doubler le bien dans leur vie, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, commence à localiser les chiffres. Saint-Esprit, commence à localiser et que toi qui es l'esprit de la résurrection, que tu puisses ressusciter dans la vie de ceux qui ont mis le chiffre 3, Seigneur. Tout ce qui est mort dans leur vie, au nom de Jésus. Que tu puisses ressusciter dans la vie de tous ceux qui ont mis le chiffre 3. Toutes choses qui ne fonctionnent pas dans leur vie. Toutes choses qui ne marchent pas dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie, ô Dieu, toi qui es aussi le Dieu du chiffre 2. Oui, le 2 qui est le chiffre du témoignage. Que tous ceux qui ont mis le chiffre 2, Seigneur, puissent vivre un témoignage. Que leur problème devienne un témoignage maintenant au nom de Jésus. Que leur problème devienne un témoignage maintenant au nom de Jésus. Alors qu'ils ont mis le chiffre 2, que l'onction et l'esprit du témoignage, Seigneur, les localise afin que ce qui les fait pleurer, ce qui les fait faire poser des questions, ce qui les donne beaucoup de questions, ce qui leur enlève le sommeil, soit un témoignage demain dans le nom puissant de Jésus. Et je prie, Seigneur, toi qui es le Dieu Yahweh Erad, le Dieu 1, tu es le chiffre 1, Seigneur, toi qui es l'unité parfaite, je prie pour ceux qui ont mis le chiffre 1, que Seigneur, tu puisses encore t'imprégner en eux, que tu puisses encore, Seigneur, être un avec eux dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, ô Dieu, que l'unité de ta parole, l'unité, Seigneur, de ta force soit dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et que leur vie puisse être une vie harmonieuse. Là où il n'y avait pas d'harmonie, que l'harmonie vienne dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Étends ta main parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, car c'est toi qui le fais maintenant. Merci Seigneur, car c'est toi qui interprètes chaque chiffre. Maintenant, toi qui es l'esprit de prophétie, tu interprètes chaque chiffre et tu donnes, Seigneur, la solution maintenant que je prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous rentrons dans notre sujet de ce midi. Merci Seigneur, aimez la vidéo. Tu as eu ta prière, aime la vidéo. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Connaître Jésus-Christ, ma passion. Connaître Jésus-Christ, virgule, ma passion. Nous allons lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu, j'ai pris pas mal de versets et parmi mes versets, donc je vais choisir le premier verset, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors je vais dans Jean 17, excusez-moi, voilà, Jean 17 au verset 3, il est écrit ceci, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Jésus est en train de prier. Il était presque à la veille d'aller à la croix. Et dans sa prière, alléluia, il dit ceci, Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Dis avec moi, la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train d'intercéder avant d'aller à la croix. Il a prié pour les disciples, et cette prière est aussi pour toi et moi, car c'était pour les disciples et pour tous ceux qui allaient devenir disciples et enfants de Dieu par la suite. Alléluia. Et dans cette prière, bien-aimé, d'intercession forte, il est en train de dire que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. En fait, il priait pour que toi et moi,
que nous puissions connaître le vrai Dieu. Sa prière était que les disciples, les enfants de Dieu, puissent connaître Dieu et le connaître lui. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ. Et nous allons encore lire un verset. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre, pardon, dit dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 2 à 3, il dit ceci, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ce texte peut paraître un peu compliqué, mais c'est très important. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ça veut dire, bien-aimé, que Pierre est en train de nous donner un indice très important dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Amen. Il est en train de nous donner un indice très, très important. Ici, par rapport à cette phrase, nous comprenons que la connaissance de Dieu et de Jésus contribue à la grâce et la paix. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de grâce, alors je dois connaître Jésus. Amen. Je dois connaître Dieu et Jésus. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ça veut dire que dans le monde spirituel, si tu veux augmenter la grâce, si tu veux, pas augmenter, multiplier, amen. Si tu veux multiplier la grâce, si tu veux multiplier la paix, bien-aimé, cela passe par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Amen. Je donne un exemple, bien-aimé. Vous savez, chacun de nous, nous avons des problèmes. Amen. Chacun de nous, il y a peut-être un domaine qui a besoin un peu de, voilà, de propulsion céleste, c'est-à-dire de la main de Dieu. Nous avons besoin que Dieu intervienne dans un certain domaine. Nous avons besoin que Dieu puisse étendre sa main dans, peut-être dans notre maison, dans notre vie de couple, dans la vie de nos enfants, etc. Dans n'importe quel domaine de nos vies, nous pouvons avoir besoin de Dieu. Des fois, nous avons juste besoin que Dieu nous apprenne à aimer les autres, parce qu'on a du mal à aimer les autres. On a besoin que l'Esprit nous aide de ce côté-là. Alors, bien-aimé, donc chacun, chaque personne peut avoir des problèmes. Mais quand tu montes dans la connaissance de Christ, écoutez-moi bien, quand tu montes dans la connaissance de Dieu et la connaissance de Christ, on peut te poser la question, amen, on peut te poser la question, est-ce que ça va? Même si je ne vais pas bien, je vais dire que je vais bien. Alléluia. Je veux dire, je peux dire que je vais bien. Pourquoi? Parce que je sais que celui qui vit en moi est plus fort. En fait, je ne considère pas ce que je vis, mais je considère ce que celui qui est en moi, il est plus fort que mes combats. Il est plus fort que mes problèmes. Il est plus fort que mes situations. Il est plus fort que cette situation par laquelle je suis en train de traverser. Il est plus fort que le combat par lequel je suis en train de traverser. Il est plus fort que la vallée dans laquelle je me retrouve. Je peux être dans la vallée de Baca, comme dit David. Quand je traverse la vallée de Baca, je ne crains aucun mal. Je peux traverser la vallée de Baca. Cette vallée ne va pas m'engloutir. Amen. Je peux traverser le feu. Le feu ne va pas me brûler. Je peux traverser des fleuves. Les fleuves ne vont pas me submerger. Vous voyez, la connaissance de Christ, la connaissance de Dieu va me permettre de donner une autre réponse. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Ça veut dire que, bien-aimé, ça veut dire que nous devons apprendre à connaître Christ. Amen. Nous devons apprendre à connaître Christ. C'est très important. Nous devons apprendre à connaître Christ. Connaître Christ doit être notre passion. Écris avec moi. Connaître Christ doit être ma passion. Connaître Christ doit être ma passion. Si je connais Christ, si je connais Dieu, alors la paix et la grâce seront multipliées dans ma vie. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Verset 3.
comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. En fait, je sais que la divine puissance de Christ m'a donné tout ce qui contribue à la vie. Même si je vis des choses qui semblent être un peu contraires avec les promesses de Dieu, mais je sais que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est-à-dire tout ce qui concerne ma manière de servir Dieu. Alléluia. La piété, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'amour, tout ce qui concerne la loi, tout ce qui concerne les commandements de Dieu, tout ce qui concerne ces choses. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, bien-aimé, il dit encore ceci. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Ça veut dire que Pierre est en train de dire que la connaissance, si je connais Christ, alors je vais recevoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Si je connais Christ, je vais recevoir tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie, donc ma vie sur la terre, ma manière de vivre, toutes ces choses, mais aussi à la piété, dans ma vie religieuse ou encore ma vie chrétienne. Je vais recevoir toutes ces choses. Mais tout passe par la connaissance de Christ. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt et pour que nous puissions être affermis dans l'attente du retour du Seigneur, nous devons le connaître. Nous devons le connaître. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Gardez cela, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire, bien aimé, que quand j'ai posé la question tout à l'heure, qui va bien, le chiffre 1, chiffre 2, chiffre 3, non, que je suis en train de juger, pas du tout. Au contraire, il faut être sincère. Amen. Mais à un certain niveau de spiritualité, à un certain niveau de foi, on peut souffrir, mais on dit quand même chiffre 1. Alléluia. Ça, c'est le niveau des violents. Jésus a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Je peux être malade et dire que je vais bien. Je fais juste, en fait, je veux arracher la guérison par la violence. Je veux arracher la guérison par la violence spirituelle. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, à un moment donné dans la vie chrétienne, tu dois être violent. C'est la violence qui va te permettre de toucher tes bénédictions. C'est la violence qui va te permettre de rentrer dans tes promesses. Des fois, tu n'arrives pas à jeûner. Tu dois te faire violence. Tu es obligé de passer par la violence. Ta chair ne veut pas jeûner, mais tu es obligé de passer par la violence. De te faire violence pour que tu puisses jeûner. Des fois, tu n'as pas envie de prier, mais tu es obligé de te faire violence pour que tu puisses prier. Des fois, tu n'as pas envie de donner les offrandes parce que tu n'en as pas, mais tu es obligé de fermer les yeux, de te faire violence pour donner à Dieu une offrande parce que tu n'as pas. Parce que si tu regardes et que tu commences à réfléchir, tu ne donneras pas. Mais si tu te fais violence et que tu fermes les yeux, je fais violence, je donne, même s'il me reste zéro, je donne quand même. Oh, là tu touches le royaume. Là tu rentres dans l'invisible. Là tu vas chercher ta bénédiction dans l'invisible. Alors, pour que tu puisses arriver à ce niveau, il faut la connaissance. La connaissance. La connaissance. La connaissance de Christ. La connaissance. Ça veut dire, bien aimé, avant de continuer mon propos, je vais lire avec vous encore ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 3, du verset 7 à 8. Alors s'il vous plaît, si vous pouvez noter les versets, ça sera une bonne chose parce que le but justement c'est la connaissance. Amen. Philippiens 3 au verset 7 à 8, l'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe. Il leur dit ceci, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de quoi? De l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Waouh! Waouh! Alléluia! En fait, au travers de l'apôtre Paul, nous comprenons quelque chose, alléluia, nous apprenons quelque chose au travers de l'apôtre Paul, c'est que, bien aimé, notre objectif premier en tant qu'enfant de Dieu, c'est de connaître Christ, c'est de parvenir à la connaissance de Dieu, c'est de parvenir à la connaissance de Christ. Peut-être que ça t'étonne, l'objectif premier d'un enfant de Dieu, d'un disciple, doit être de connaître le Maître.
L'objectif premier d'un chrétien doit être de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ. Alléluia. L'apôtre Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, l'argent était un gain pour moi, le mariage était un gain pour moi, le travail était un gain pour moi, les amis étaient un gain pour moi, les vêtements étaient un gain pour moi, les sacs étaient un gain pour moi. Toutes ces choses, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Est-ce que, bien-aimé, aujourd'hui, tu es capable de voir toutes ces choses autour de toi comme une perte à cause de Christ? Est-ce que tu es capable de voir l'argent comme une perte à cause de Christ? Est-ce que tu es capable aujourd'hui de voir les choses qui te faisaient battre le cœur hier comme une perte à cause de Christ? Jésus revient bientôt. Il viendra prendre les personnes qui ont cette mentalité de l'apôtre Paul. Ces personnes qui voient les choses autour d'eux comme une perte. Alléluia. Il dit, et même, verset 8, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde un esprit d'excellence dans sa connaissance, au nom de Jésus. Je prie encore que Dieu te donne un esprit d'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Qu'il te donne un esprit d'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oui, est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, donne-moi un esprit d'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Un esprit d'excellence de la connaissance de Christ. Ça peut être un sujet de prière tous les jours. Un esprit d'excellence de la connaissance de Christ. Connaître Christ. Un esprit d'excellence de la connaissance de Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. En fait, en tant qu'enfant de Dieu, notre objectif premier, notre but doit être de parvenir à la connaissance de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que la première chose pour laquelle tu dois t'impliquer quand tu es né de nouveau, ou encore la première chose pour laquelle tu devais t'impliquer quand tu étais né de nouveau, c'est la connaissance de Christ. Alléluia. Si une personne accepte Jésus aujourd'hui et qu'elle devient enfant de Dieu, cette personne doit chercher d'abord la connaissance de Dieu à tout prix. Tu dois chercher la connaissance de Dieu. Alléluia. Tu dois chercher la connaissance de Dieu. Tu dois chercher la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui va ramener la paix dans ta maison. C'est la connaissance de Dieu qui va ramener la grâce dans ta maison. C'est la connaissance de Dieu qui va ramener la délivrance. Bien-aimé, je vous assure, il y a des délivrances qui se font juste parce que tu connais une vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu connais une parole, tu connais Christ, tu connais Dieu et tu reçois ta délivrance. Alléluia. C'est pour cela que si je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure par la violence, exemple, je suis malade, on me pose la question, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. En réalité, je viens de saisir la guérison divine dans le royaume. Je viens de mettre ma main dans le monde spirituel, dans le monde invisible de Dieu pour prendre ma guérison. Parce que j'ai refusé tout simplement de donner foi à ce que je vis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous devons chercher à connaître Dieu à tout prix. Ça doit être ta passion. Connaître Dieu et connaître Christ. Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Connaître Dieu et connaître Christ, c'est très important. Et nous allons encore lire un texte. Ce que Jésus est en train de dire dans Matthieu 11, au verset 28 à 29. Matthieu 11, gloire à Dieu. Matthieu 11, au verset 28 à 29. Écoutez ce que Jésus dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le verset 29 dit ceci. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça, vous pouvez souligner. Et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Le Seigneur Jésus, bien-aimé, appelle ceux qui sont fatigués, c'est lui qui fait l'appel. Vous êtes fatigués et chargés, venez, moi, je veux vous donner du repos. Vous avez un problème dans votre mariage, venez à moi, je vais vous donner du repos. Vous avez un problème de maladie, vous êtes fatigué, il n'y a pas de solution. Venez à moi, vous qui êtes malade, je vous donnerai du repos. Vous n'avez pas de paix dans votre cœur, venez à moi, je vous donnerai du repos. Mais il dit quelque chose. Prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Ça veut dire que tu dois passer par la connaissance. Amen. Recevez mes instructions. L'instruction, c'est quoi? C'est la connaissance. Alléluia.
L'instruction, c'est la connaissance. Ça veut dire que quand je viens pour recevoir le repos que le Seigneur Jésus me donne, en même temps, je suis en train de m'inscrire dans l'école de Christ. En même temps, je m'inscris dans l'école de Christ. Amen. En même temps, je m'inscris. Parce que quand Christ me décharge, je m'inscris automatiquement dans son école. Et je dois être instruit. Il dit, recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous voyez, recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça veut dire que si je poursuis la connaissance, alors je vais trouver du repos pour mon âme. Si je poursuis la connaissance de Dieu et de Christ, alors je vais trouver mon miracle. Si je poursuis la connaissance de Dieu et de Christ, alors assurément, je vais être loin du péché. Je vais haïr le péché. Mon âme sera purifiée, purifiée de toute souillure. Si je poursuis, verset 27, Maman Agnès, verset 27. Verset 27, comment ça se fait? C'est décalé encore là? Gloire à Dieu. Attendez, je vérifie. Donc, comprenez que moi, je prends sur Internet, mais normalement, les évangiles ne sont pas décalés. C'est les psaumes qui sont décalés. Je suis obligée de vérifier quand même, on ne sait jamais. Ok. Je prends ma Bible Scofield. Je vais dans Matthieu en 11. Ok. Voilà, j'espère que tu ouvres ta Bible pour toi qui le peux. Il faut toujours ouvrir la Bible. Matthieu 11, voilà. Je prends la Scofield, je prends la version Scofield ici. Voilà, donnez-moi juste quelques minutes. 11. Gloire à Dieu. Non, c'est moi qui ai raison. Au verset 28, ok. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, c'est pas 27. J'ai eu peur. Ok. Donc, maman Agnès, c'est bien 28 hein, chez moi. Parce que j'ai vu que tu as écrit 27, je n'ai pas compris. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Quand tu reçois les instructions du Seigneur, tu trouves maintenant du repos pour ton âme. Si tu avais besoin d'une solution, bien-aimé, tu vas trouver du repos pour ton âme. Alléluia. Tu vas trouver pourquoi? Parce que tu es rentré dans l'école de Christ, dans l'école de l'instruction de Christ. C'est pour cela, bien-aimé, connaître Jésus doit être ta passion. Connaître Dieu, connaître Jésus, parce que bien aimé, l'éternité, la vie éternelle, ce n'est pas recevoir le miracle du mariage. La vie éternelle, ce n'est pas recevoir le miracle de la guérison. Ça, ce n'est pas la vie éternelle. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des miracles, bien aimés. À peine reçu le miracle reçu, ils sont repartis dans le monde. Jésus a nourri la foule, 5000 personnes. 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Peut-être c'est le double, puisque si chaque homme avait sa femme, donc ça pourrait être 10 000. Et si chaque famille, chaque couple avait un enfant, ça aurait pu être 15 000 personnes. Il les a nourris. Mais les mêmes bien-aimés, les mêmes personnes, ont crié pour qu'on puisse crucifier Jésus. Ils ont dit, relâchez Barabbas, crucifiez Jésus. Relâchez Barabbas. Les mêmes personnes, bien-aimées, n'ont pas toujours suivi Jésus. Les mêmes personnes n'ont pas été avec lui. Alléluia. Mais ils ont vu des miracles. Les personnes qui étaient autour du fou de Gadara. Merci beaucoup. Merci, j'ai vérifié. Merci beaucoup. Les personnes qui étaient autour du fou de Gadara. Ils ont vu comment le fou de Gadara était guéri, il était restauré. Sa conscience était redevenue normale. Mais les mêmes personnes, bien-aimées, les mêmes personnes sont ceux qui ont oublié Jésus. Les mêmes personnes sont ceux qui ont crié qu'on le crucifie. Les mêmes personnes sont ceux qui n'ont pas cru en lui. Ça veut dire que tu peux recevoir le miracle et retourner dans le monde. Le miracle, bien-aimé, n'est pas ce qui te donne la vie éternelle. Alléluia. Le miracle fait partie, bien-aimé, de la main de Dieu, mais ça ne te donne pas la vie éternelle. Jésus dit ici, Alléluia. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup de m'avoir donné le verset. Mais dès que je vois quelque chose de décalé, je dois toujours vérifier. On ne sait jamais.
Ça allait vraiment m'étonner, mais bon. Le décalage, c'est toujours dans les psaumes, mais jamais dans les évangiles. J'étais vraiment étonnée de voir le verset 27. Peut-être que c'était une nouvelle Bible, hein, je ne sais pas. Une nouvelle version. Gloire à Dieu. Donc, c'était quand même important de vérifier. Il faut toujours vérifier. Gloire à Dieu. Jésus lui-même dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ça veut dire, quand je rentre dans la connaissance de Dieu, quand je cherche à connaître qui est Jésus, qui est Dieu, alors je me plonge déjà dans la vie éternelle. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. La vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Connaître Dieu, connaître Jésus, te fait rentrer dans la vie éternelle. Alléluia. Connaître Dieu, connaître Jésus-Christ, te fait plonger dans la vie éternelle, te fait plonger dans le monde invisible, te fait plonger dans l'éternité. C'est pour cela, connaître Dieu doit être ta passion. Amen. Connaître Dieu doit être ta passion. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour cela que dans ce que nous avons lu tout à l'heure avec Pierre, bien aimé, le verset ici, le verset de 2 Pierre 1, nous révèle, bien aimé, quelque chose de très important, comme j'ai dit tout à l'heure. Cela nous révèle que la connaissance de Dieu est la clé de la paix et de tout ce dont tu as besoin pour la vie. Écris avec moi, la connaissance de Dieu est la clé de la paix et de tout ce dont j'ai besoin pour la vie et pour la piété. De tout ce dont j'ai besoin, la connaissance de Dieu. Connaître Dieu te donnera tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Connaître Dieu, la connaissance de Dieu est la clé qui te donnera la paix, la clé de la paix et de tout ce dont tu as besoin pour la vie et pour la piété. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire que plus je connais Dieu, plus j'accède à une dimension de paix et de grâce. Est-ce que vous me suivez? Plus je connais Dieu, plus je manque dans la connaissance de Dieu, plus j'accède à une autre dimension de sa paix. Alléluia. Plus je jouis d'une autre dimension de sa paix et de sa grâce. Imaginez si j'étais quelqu'un de très colérique, qui ne pardonnait pas. Mais parce que je connais que, Christ a pris mes péchés, il est mort à la croix pour moi, il a pris ma place. Je connais cette vérité, que lui, il m'a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pris ma place, il m'a justifié. Il a pris mon péché sur lui. Moi qui devais être crucifié à la croix, mais lui, il a pris ma place. Parce que je connais cette vérité. Si quelqu'un me fait du mal, je vais pardonner facilement. Vous voyez, la connaissance de Christ me fait accéder à une autre dimension de pardon. Vous voyez, la connaissance de Christ me fait accéder. Je sais que les péchés que j'ai faits, mauvais que j'ai été dans la vie, mauvais que j'ai été, j'ai pris les hommes des gens. Exemple, j'ai pris les maris maris d'autrui, c'est-à-dire des hommes qui étaient mariés. Je suis sortie avec des hommes mariés. Je suis sortie avec des femmes mariées. J'ai fait avorter des filles. Moi-même, j'ai avorté. J'étais ivrogne. J'ai volé l'argent de mes parents. Imaginez, je donne un exemple. Imaginez que tu volais, tu avais une vie de débauche, une vie sale. Mais le Seigneur t'a lavé. Le Seigneur t'a plongé dans son sang précieux. Il t'a lavé. Si ton casier judiciaire chez les hommes est plein, mais Jésus, dans le céleste, dans l'invisible, il a effacé ton casier judiciaire. Bien-aimé, tu vas accéder à une autre dimension de pardon. C'est-à-dire, si tu pardonnes quelqu'un, tu ne vas pas garder encore des traces. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Tu pardonnes seulement des lèvres, mais derrière, tu gardes encore le casier judiciaire de cette personne rempli dans ton cœur et dans ton esprit. Tu gardes encore le casier judiciaire de cette personne. Elle m'a trahi. Elle avait mal parlé de moi. Il m'avait trompé. Sache ça de ton mari. Il m'avait trompé. Donc tu ne pardonnes pas. Il m'avait trompé. Tu dis, chérie, je te pardonne. Vraiment un nouveau départ. Nouveau départ. Vous allez au restaurant, tout. Mais en réalité, dans le casier judiciaire de ton esprit pour ton mari, il n'est pas encore effacé. Alors que Jésus a effacé ton casier judiciaire céleste. En fait, tu es redevenu vierge. Tout ce que tu as fait de mal a été effacé. Ton casier judiciaire est vierge au ciel. Bien-aimé, quand tu accèdes à cette connaissance, quand tu accèdes à cette dimension, alors tu ne garderas plus jamais des choses dans ton cœur. Tu ne garderas pas des traces de ce qu'on t'a fait, de ce que quelqu'un t'a fait. Parce que quand tu regardes ce que Jésus a fait pour toi, tu dis, si Jésus a rendu mon casier judiciaire spirituel vierge, pourquoi moi je veux garder le casier judiciaire de cette personne dans mon cœur?
Comme dit le pasteur, tu as fait des musées, tu as gardé les gens, tu as gardé les gens, tu as gardé. Pourquoi? Si Jésus l'a fait pour moi, voyez, quand je connais Dieu, alors je monte dans une autre dimension de paix. Donc si je nettoie mon casier judiciaire intérieur, je nettoie le casier judiciaire de cette personne dans ma pensée, dans mon esprit, alors j'accède à une autre dimension de paix. Ça, c'est encore une autre dimension de paix. Il y a des gens autour de toi qui ne comprendront pas ta manière de réagir. Les gens autour de toi vont te dire, mais franchement, c'est quand même bizarre. Attends, ton mari t'a trompé plusieurs fois. Et malgré ça, tu es quand même soumis à cet homme. Malgré ça, tu es quand même là. Malgré ça, tu lui laves quand même les pieds. Malgré ça, tu le sers quand même. Tu ne devrais pas avoir confiance. Mais parce que tu as nettoyé, tu as effacé son casier judiciaire, tu ne vois pas ces choses. Tu lui as donné un nouveau départ. De la même manière que Jésus m'a donné un nouveau départ, moi aussi, je permets à quelqu'un de lui donner un nouveau départ. Alléluia. En fait, bien-aimé, ce que vous devez savoir, plus tu connais Christ, plus tu accèdes à une autre dimension de paix et de grâce. Tu accèdes à une autre dimension de bénédiction dans ta vie. Tu accèdes à une autre dimension dans l'invisible. C'est-à-dire que ta vie va connaître une paix, une grâce extraordinaire. Je vous assure. Je vous assure. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Est-ce que tu crois que la divine puissance du Seigneur t'a donné tout ce qui contribue à la vie? C'est-à-dire, tu as le mariage dans sa divine puissance, la santé dans sa divine puissance, l'argent dans sa divine puissance, la paix dans sa divine puissance. Tout ce dont tu as besoin qui peut contribuer à ta vie, tu l'as dans sa divine puissance. Et à la piété. La piété, tout ce qui concerne la vie chrétienne, la vie spirituelle. C'est-à-dire, c'est lui qui te donne la capacité de le servir. Il te donne la capacité de l'aimer, de donner tes offrandes sans bouder. Sans bouder, tu donnes tes offrandes. Amen. En fait, c'est par lui que tu trouves toutes ces choses. Est-ce que tu le crois? Comme sa divine puissance. Waouh! La divine puissance de Christ nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et au service de Dieu. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Au moyen de sa connaissance. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes sans murmurer parce que je sais que à la mesure où je vais donner, c'est à la mesure où je vais recevoir. Chacun donne selon la mesure chacun reçoit plutôt selon la mesure qu'il donne. C'est une connaissance, c'est une vérité spirituelle. Alléluia. Je sais que si je donne ma dîme, Dieu va menacer celui qui dévore. Les écluses des cieux seront ouvertes pour moi. Alors je donne ma dîme. En fait, la connaissance de Christ, la connaissance m'emmène à une nouvelle dimension de paix, à une nouvelle dimension de grâce, à une nouvelle dimension. Alléluia, de l'éternité. La connaissance. On ne te parle pas des choses de la terre. La connaissance. La connaissance. C'est pour cela que connaître Christ doit être ta passion. Connaître Christ doit être ta passion. Et l'apôtre Paul ayant compris cela, Christ était sa passion. Alléluia. Christ était sa passion. Gloire à Dieu. Et bien aimé, tu dois soupirer après la connaissance de Christ. Tu dois soupirer après la connaissance de Christ. Quand tu soupires après sa connaissance, bien-aimé, les bénédictions vont te localiser. Les bénédictions vont te chercher. Les bénédictions vont te chercher. Est-ce que vous savez qu'il y a des bénédictions qui cherchent des personnes? La bénédiction cherche des personnes. La bénédiction te cherche. Des fois, quand la bénédiction se balade, vient chercher des gens, mais la personne est en train de prier, il élève les mains, mais on voit dans ses mains du sang, le sang, le manque de pardon. On voit dans ses mains du sang, la colère. On voit dans ses mains du sang, le mensonge. On voit ces choses. Alors la bénédiction passe à côté. Elle ne se repose pas sur lui. La bénédiction fuit. Elle ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas les dispositions nécessaires pour que la personne puisse recevoir cette paix et cette bénédiction. Alléluia. Alors bien-aimé, tu dois dire comme David qui a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Dans le psaume 23, David était sûr, il connaissait, il savait que l'Éternel était son berger. L'Éternel était son berger et qu'il ne manquerait de rien. Alléluia. C'est pour cela que tu dois connaître Christ. Tu dois connaître Christ et être capable de dire comme l'apôtre Paul, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les ai regardés comme une perte. Toute chose qui était pour toi comme un gain, tu dois le regarder comme une perte. Alléluia.
ton orgueil personnel qui était pour toi comme un gain. Les gens, dès que les gens te voyaient, les gens avaient peur de toi parce que tu te voyais vraiment au-dessus des autres. Cet esprit de supériorité. Quand tu étais avec les gens, quand tu venais au milieu des gens, toi, tu devais toujours être supérieur. Donc, tu voulais seulement qu'on te voie supérieur aux autres. Dès que quelqu'un a une voiture qui est meilleure que toi, toi, tu vas lui dire, moi, j'avais une plus belle voiture que celle-ci. Ah, tu l'as acheté ta voiture à combien? Ah, je l'ai acheté 15 000. Ah, d'accord, moi, je dois acheter une voiture à 20 000 euros. Là. L'esprit de supériorité. Mais quand tu connais Christ, toutes ces choses, tu les vois comme de la boue. Amen. Tu les vois comme de la boue. Pourquoi? Pour gagner Christ. Toutes ces choses, tu les vois comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, ton Seigneur. Pour lequel, il dit, pour lequel j'ai renoncé à tout. Es-tu prêt à renoncer à tout pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ? Es-tu prêt à renoncer à tout? Ce mariage qui me tenait tant à cœur, je vois cela comme de la boue. À cause de Christ. Ce mariage qui prenait mes pensées, qui prenait ma vie, je vois cela comme de la boue. Ce travail qui était pour moi la fierté, partout où j'allais, je devais dire où est-ce que je travaillais pour qu'on puisse me donner un peu de valeur, pour qu'on me donne de la valeur. Je devais tout faire pour créer une conversation, pour que je puisse dire que je travaille au cabinet du ministre. Je suis au cabinet du ministre de l'Intérieur, je suis à l'ambassade, je suis diplomate, je gagne 10 000 euros. Je devais toujours créer une conversation pour qu'on tombe au niveau des salaires, que je dise mon salaire. Mais toutes ces choses, je les ai vues comme de la boue. J'ai renoncé à toutes ces choses. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour l'apôtre Paul, la connaissance de Christ était sa passion. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais te donner un secret spirituel. Si tu veux avancer, gagner beaucoup de choses dans ta vie, c'est-à-dire recevoir des bénédictions, avancer dans la vie d'une manière fulgurante, recevoir des grâces, être dans la paix, cherche à connaître Christ. Jésus-Christ doit être, la connaissance de Christ doit être ta passion. Tu dois le connaître. Tu dois le chercher. Tu dois l'aimer. Alléluia. Tu dois le connaître. Jésus-Christ, tu dois le connaître. Il est partout dans la Bible. Hier, j'ai mis dans l'onglet communauté de la tour de prière Semeur et même sur mon Facebook, j'ai partagé un lien où on parle de Jésus dans toute la Bible. Toute la Bible parle de lui. Depuis le commencement, toute la Bible parle de lui. Alléluia. Tu dois le connaître. Si tu connais ce Christ, si tu le connais, alors tu vas avancer dans ta vie. Et il est important que vous puissiez lire ce que j'ai mis sur Facebook et aussi sur YouTube, dans l'onglet communauté, où on parle de Jésus. Jésus qui est le centre du message de la Bible. Quand on parle même au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière du commencement, ce n'est pas le soleil. Parce qu'après, au quatrième jour, on avait créé le soleil. Dieu avait créé le soleil. Dieu avait créé la lune. Dieu avait créé les étoiles. Cette première lumière, c'est Christ. La lumière du commencement. Quand tu connais que Christ est la lumière du commencement, là, je rentre un peu dans le monde spirituel. J'aime bien dire le monde spirituel. J'aime pas trop dire dans le monde chrétien. J'aime dire le monde spirituel parce que la chrétienté, plutôt la spiritualité, va encore plus loin. Chrétien, c'est les hommes qui ont donné le nom chrétien à ceux qui étaient comme Christ, aux disciples de Jésus. Dans le monde spirituel, quand tu lis seulement le début de la Genèse, et Dieu dit, et la lumière soit, et la lumière fut, et que tu as la connaissance que cette lumière, c'est Jésus-Christ qui était la lumière du commencement. Alors, quand tu traverses les ténèbres, tu peux appeler le Christ lumière du commencement. Quand tu pries, tu peux faire des prières mystiques parce que tu le connais. Tu dis, oh Dieu, je traverse des moments difficiles. Je suis dans des turbulences de ténèbres. Mais toi qui es la lumière du commencement, viens luire dans ma vie. Toi qui es la lumière du commencement, viens éclairer ma nuit. Toi qui es la lumière du commencement, viens éclairer ma vie. Quand tu connais Dieu, tu sais qu'il est Yahweh Elohim, l'éternel créateur. Et que quand il a créé Adam et Ève, la Bible dit que Dieu prit la poussière de la terre. Mais en réalité, quand on part dans le texte original, dans les textes hébreux,
bien-aimé, parce que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Quand on part dans le texte hébreu, en fait, littéralement, il est écrit « Dieu prit de la cendre de la terre ». C'est-à-dire, il y avait quelque chose qui était là, ça a été détruit, et Dieu prit cette cendre. Au travers de cette cendre, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé Adam et Ève. Quand tu connais qu'il est le Dieu qui prend la cendre pour redonner vie, il redonne vie même à la cendre. Ça veut dire que même si dans ma vie tout est brûlé, tout est calciné, il ne reste que des cendres. Le Dieu que je prie, le Dieu Elohim, est capable de prendre cette cendre et de cette cendre sortir de la splendeur. Alléluia. Sortir de la splendeur. Alléluia. C'est pour cela dans Ésaïe, il est écrit, « Tu me donnes un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu d'un esprit abattu. » Alléluia. Au lieu du deuil. Il donne de la splendeur là où il y a la cendre. Il te met une couronne sur la tête là où il y a la cendre. Il prend des choses qui sont déjà détruites. Donc quand tu regardes ta vie, en tout cas là, tout est détruit. Il n'y a plus rien à faire. Mais le Dieu du commencement qui a pris la cendre, qui a pris la cendre pour créer Adam, est celui qui prendra les cendres de tes problèmes, les cendres de tes situations pour en faire un chef-d'œuvre. Il est Dieu. Amen. La cendre, il n'y a plus rien à faire. Donc quand tu connais ce Dieu, tu fais des prières glorieuses et excellentes, des prières qui ouvrent le ciel. Amen. Tu vas faire des prières qui ouvrent le ciel. Oh, je prie que tu puisses connaître Dieu. Je prie que ta passion puisse être de le connaître, de le connaître. Et que tu puisses faire des prières qui vont bouger le ciel. Des prières qui vont te faire rentrer dans l'invisible. Alléluia. Qui vont te faire entrer dans l'invisible. Gloire à Dieu. Dans Ésaïe 61, au verset 3, il est écrit « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. » Là où il y a la cendre, tout a été calciné. Dieu te donne un diadème. Dieu te donne une couronne. Dieu te donne un diamant. Dieu fait de toi un chef-d'œuvre. Dieu ramène de l'or là où c'est des cendres. Alléluia. Quand je connais ce Dieu, alléluia, ce Dieu qui prend des ossements desséchés et qui fait souffler son esprit afin que les ossements desséchés puissent reprendre vie, puissent recevoir la chair, puissent recevoir des nerfs et puissent devenir une armée nombreuse. Alors quand je prie, j'appelle ce Dieu qui redonne la vie aux ossements desséchés de venir redonner la vie aux ossements desséchés de ma vie. Parce que je le connais. C'est pour cela qu'il est important de connaître Christ. Amen. Il est important de connaître Christ. Il dit... Une huile de joie au lieu du deuil. Là où il y a le deuil, il ramène une huile de joie. Et que cette huile de joie soit sur ta vie dans le nom de Jésus. Et que cette huile de joie soit sur ta vie. Attends, je vais vous mettre ça à l'écran. On l'a fait dernièrement. Que cette huile de joie vienne sur ta vie. Et David parle même de l'huile de joie qui donne des privilèges. Ton Dieu t'a rendu une huile de joie par privilège sur tes collègues. Alléluia. Il est capable de le faire. C'est pour cela... Tu dois connaître Christ. Tu dois connaître Dieu. Tu dois connaître Christ. Quand tu sais que dans la Genèse, on parle de lui parce que c'est lui qui est la semence de la femme qui écrasera la tête du serpent. Jésus-Christ. Et toi, tu es co-héritier de Christ. Il est le premier-né dans plusieurs frères. Donc toi, tu es la petite sœur. Tu es le petit frère de Christ. Ton grand frère a écrasé la tête du serpent. Toi aussi, tu écrases la tête du serpent. Alléluia. Quand tu vois que dans Exode, il est l'agneau pascal. C'est Jésus, on parle toujours de Jésus, toujours de Jésus. Il est l'éternel Dieu, alléluia. Il est l'éternel Dieu. Quand tu vois même dans Michée, il est celui qui vient de Bethléem. Bethléem qui est appelée la maison de pain, alléluia. Il est celui qui ramène le pain là où c'est sec, là où il n'y a rien. Il est celui qui te donne de quoi manger. Nous devons connaître le Seigneur. C'est pour cela, quel que soit... les situations par lesquelles tu traverses, cherche à connaître Dieu. La connaissance de Dieu t'ouvre la porte à la vie éternelle. La connaissance de Dieu t'ouvre la porte aux bénédictions éternelles. La connaissance de Dieu t'ouvre la porte à la guérison éternelle. La connaissance de Dieu t'ouvre la porte, bien-aimé, aux choses invisibles. Aux choses invisibles. Alléluia. Vous savez, il est celui... qui fait des choses extraordinaires, qui vient ressusciter Lazare, alors qu'il sentait déjà. Imaginez-vous déjà à l'époque, il n'y avait pas de morgue comme aujourd'hui, ce n'était pas sophistiqué
On ne pouvait pas garder un corps 5 jours, une semaine. Il sentait déjà. Il était même déjà décomposé. Mais quand il est venu, il a redonné la vie à Lazare. Il est celui qui redonne la vie aux choses décomposées de ta vie. Les choses qui sont décomposées dans ta vie, qui ne sentent plus bon, qui sentent mauvais, qui peuvent attirer des mouches. Mais il est celui qui vient redonner la vie. Il est le rédempteur qui s'est levé pour venir donner, redonner la vie à Job. La femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt. Mais Job n'avait pas la Bible comme nous. Job connaissait Dieu. Et Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Et quand on connaît la qualité du rédempteur, le rédempteur ne vient pas au début, ne vient pas au milieu, mais il vient en dernier. Quand tout le monde dit que c'est vraiment terminé, c'est là où il vient. Et que ce rédempteur te localise aujourd'hui au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la passion de le connaître. Que le Saint-Esprit injecte dans ton esprit l'esprit de la connaissance de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas remercier le Seigneur ce midi. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie ce jour. Merci car tu es le prince de la paix. Alléluia. Merci car tu es le prince de la paix qui est la source de ma paix. Je répète encore. Seigneur, je te remercie pour ce jour et pour cette session de prière. Merci car tu es le prince de la paix qui est la source de ma paix. Ta paix vient du prince de la paix qui est Jésus. Ta paix vient du prince de la paix qui est Jésus. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as donné tes offrandes durant cette session. Car ta paix vient du prince de la paix, qui est la source de ta paix. Prie avec moi, remercie le Seigneur pour cette session qu'il nous a accordée, pour sa parole qui est sortie, alléluia, pour l'Esprit qui a parlé. Remercie le Seigneur, remercie Jésus-Christ, parce qu'il est le prince de paix, qui est la source de ta paix. Seigneur, je te bénis encore. Merci pour cette nouvelle session de la journée. Merci pour ce midi, ô Dieu. Merci Seigneur Jésus, car tu es le prince de paix, le prince de la paix, qui est la source de ma paix. C'est toi qui es la source de la paix de ma maison. Merci car tu es le prince de la paix, qui est la source de la paix, Seigneur, dans mes affaires. Qui est la source de ma paix, Seigneur, dans l'église. Qui est la source de ma paix, Seigneur, ô Dieu, sur la tour de prière semeur. C'est toi qui es la source de la paix sur la tour de prière semeur. Nous te disons merci. Merci Père pour ta parole. Merci pour l'édification. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Reçois la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas encore dire. Seigneur Jésus-Christ, je veux te connaître davantage. Seigneur Jésus-Christ, je veux te connaître davantage. Révèle-toi à moi. Dis au Seigneur que tu veux le connaître davantage. Et qu'il puisse se révéler à toi, qu'il puisse te montrer sa gloire, que tu puisses le connaître à une autre dimension, celle que tu ne connais pas, qu'il t'emmène à une autre dimension. Commence à prier avec moi. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur Jésus, ô, je veux te connaître encore davantage. Je reconnais que ce qui contribue à ma paix, ce qui contribue à ma grâce, ce qui contribue, Seigneur, à ma piété, à ma vie, est contenu dans la connaissance que je peux avoir de toi. Alors je te prie, Seigneur, oh, apprends-moi à te connaître, Seigneur. Je veux te connaître davantage. Montre-moi ta gloire. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à mon esprit. Révèle-toi, Seigneur, oh Dieu, à mon cœur. Révèle-toi à mon âme. Révèle-toi à moi. Que le Seigneur se révèle à toi. Que tu puisses le connaître. Alléluia. Que tu puisses le connaître, que tu le connaisses davantage. Seigneur, je reconnais que plus je te connaîtrai, plus je te servirai. Plus je te connaîtrai, Seigneur, plus je te servirai avec sérieux et qualité. Plus je te connaîtrai, plus je connaîtrai les dimensions, Seigneur, de ta personne. Plus je monterai dans les dimensions invisibles de ton royaume. Alors je t'en prie, Seigneur, aide-moi à te connaître. Oh, que tu puisses connaître le Seigneur. Que le Seigneur t'aide à le connaître dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'aide à le connaître. Oui, pour le mariage qui est en train de déranger ta vie, tu as besoin de connaître Christ, la connaissance de Christ. Pour ta santé qui est en train de bouger un peu, tu as besoin de connaître Christ. Oh, dans le nom de Jésus,
dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je veux te connaître davantage. Je veux te connaître davantage. Révèle-toi à moi. Donne-moi l'intelligence spirituelle afin que je te connaisse mieux. Donne-moi la sagesse spirituelle, toi qui es la sagesse du commencement. Car tu as été créée la première de toutes les créations. Alors je te prie, toi qui es la sagesse du commencement, donne-moi ta sagesse, Seigneur. Révèle-toi à moi, ô Dieu, que je puisse te connaître. Car la vie éternelle, c'est que je puisse te connaître, toi le vrai Dieu. Oui, que je puisse te connaître, que ta connaissance se déverse sur la tour de prière semeur, ô Dieu. Ma prière est que tous ceux qui sont connectés, Seigneur, que l'onction de la connaissance de Christ puisse descendre sur chacun d'eux. Que l'esprit de l'excellence de la connaissance de Christ soit sur eux, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, injecte dans mon cœur la fin de la connaissance de Dieu au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, injecte dans mon cœur la fin de la connaissance de Dieu. Injecte dans mon âme la soif de la connaissance de Dieu. Injecte dans mon esprit, oh, l'envie, l'amour, la passion de la connaissance de Dieu. Oui, demande au Saint-Esprit d'injecter dans ton cœur la fin de la connaissance de Dieu dans le nom de Jésus. Injecte dans mon cœur la fin de la connaissance de Dieu. Oh, je t'en supplie, très cher Saint-Esprit, injecte dans mon cœur ce midi que je puisse recevoir cette injection de la fin de la connaissance de Dieu, de la fin de la soif de la connaissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, je veux recevoir cela, je désire cela, Saint-Esprit. Injecte à chacun de nous, injecte dans les cœurs de tes enfants. Injecte que l'Éternel, que le Saint-Esprit injecte dans ton cœur la fin de la connaissance de Dieu. La fin de la connaissance de Dieu, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit injecte dans ton cœur la fin de la connaissance de Dieu. Alléluia. La fin de la connaissance de Dieu. La fin de la connaissance de Dieu. Que tu puisses recevoir cela ce soir. Plutôt ce midi, dans le nom de Jésus. Que tu reçoives cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour connaître Dieu, pour avancer dans les dimensions spirituelles, pour avancer dans les dimensions du royaume, tu as besoin d'un esprit de bonne volonté. Et je comprends pourquoi David avait dit « qu'un esprit de bonne volonté me soutienne ». Tu as besoin d'un esprit de bonne volonté. Alléluia. Tu vas dire avec moi. Alléluia. Tu vas dire « Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, injecte dans mon esprit un esprit de bonne volonté ». Il y a peut-être beaucoup de tautologie « esprit, esprit », mais essaie de dire comme ça. Très cher Saint-Esprit, injecte dans mon esprit. Ou encore, on va faire simplement « très cher Saint-Esprit, donne-moi, voilà, donne-moi un esprit de bonne volonté. Un esprit de bonne volonté. Un esprit de bonne volonté. Afin que je puisse m'appliquer dans la lecture, alléluia, de la parole de Dieu. Afin que je puisse m'appliquer dans la lecture, dans la connaissance, dans la méditation de la parole de Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, des fois, tu as du mal à ouvrir ta Bible. Parce que tu n'y a pas la volonté, il y a la paresse qui est là. Demande au Saint-Esprit de te donner un esprit de bonne volonté. Très cher Saint-Esprit, donne-moi un esprit de bonne volonté afin que je puisse m'appliquer à la méditation de la parole, afin que je puisse m'appliquer à la lecture de la parole, afin que je puisse m'appliquer à la connaissance de Christ dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh, donne-moi un esprit de bonne volonté. Qu'un esprit de bonne volonté puisse me soutenir afin que je puisse lire la parole, afin que je puisse méditer la parole, afin que je puisse m'appliquer, je puisse avoir le désir de la connaissance de la parole et que tout esprit de paresse quitte ma vie au nom de Jésus. Tout esprit de paresse spirituelle quitte ma vie. Tout esprit qui ramène la paresse pour que je n'ouvre pas ma Bible, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit qui ramène la paresse pour que je ne puisse pas jeûner, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit qui ramène la paresse pour que je ne puisse pas m'appliquer à servir Dieu correctement, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout esprit qui ramène la paresse, bien-aimé, dans ta vie pour que tu ne puisses pas t'appliquer à servir Dieu, à être utile dans l'œuvre de Dieu, je détruis cela au nom de Jésus. J'anéantis tout esprit de paresse qui t'empêche de lire la parole de Dieu, qui t'empêche d'ouvrir ta Bible et de t'appliquer à connaître Christ. Que cela soit détruit au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie. Alléluia. Oh, tu vas dire encore, Seigneur Jésus-Christ, dépose en moi un esprit d'excellence de la connaissance de ton nom. Dépose en moi un esprit d'excellence de la connaissance de ton nom, dans le nom de Jésus. Un esprit d'excellence. Alléluia. Un esprit d'excellence de la connaissance de Christ. Que tu puisses recevoir cela au nom de Jésus. Que tu puisses recevoir cela au nom de Jésus. L'apôtre Paul en parle dans Philippiens 3, verset 7 à 8. Que tu puisses recevoir cela à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Reçois cet esprit de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oh, que tu sois excellent dans sa connaissance, au nom de Jésus. Afin que les faux prophètes ne te fassent pas tomber. Afin que les faux prophètes ne puissent pas te faire tomber. Afin que les païens ne te fassent pas revenir dans le monde. Afin que les voyants ne t'impressionnent pas. Que tu puisses être revêtu de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Oh, ton Seigneur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, ton Seigneur. Reçois l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et tu vas faire la prière. Nous allons terminer par là. Tu vas dire, mon Père, garde mon être entier. Garde mon être tout entier, esprit, âme et corps. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi, préserve-moi, irrépréhensible, afin que, Seigneur, je ne rate pas l'enlèvement. Mon Père, garde mon être entier, esprit, ou encore l'esprit, l'âme et le corps, irrépréhensible. Irrépréhensible veut tout simplement dire irréprochable. Mon Père, garde mon être entier, esprit, âme et corps, irréprochable. Pour l'avènement du Seigneur, pour le retour du Seigneur, garde-moi fidèle à toi et que je ne puisse pas, Seigneur, perdre ma foi, que je ne puisse pas abandonner la foi, que je ne tombe pas dans l'apostasie, que je ne tombe pas dans les sectes, que je ne tombe pas, Seigneur, oh Dieu, dans les choses qui peuvent me faire empêcher, qui peuvent me faire rater l'enlèvement, dans le nom de Jésus. Oh, toi qui es le Dieu de paix, oui, il est le Dieu de paix, il est le Dieu de paix, il est le Dieu de paix. Oui, car l'apôtre Paul, parlant aux Philippiens, dit que le Dieu de paix garde votre être tout, votre être tout entier, esprit, âme et le corps, irrépréhensible pour le jour du Seigneur. Alléluia. Oui, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et qu'il vous garde tout entier, esprit, âme et le corps, irrépréhensible ou encore irréprochable pour le jour du Seigneur. C'est Dieu le Père. Il dit que le Dieu de paix, alléluia, vous sanctifie tout entier. Tu peux dire encore, Seigneur, sanctifie mon être entier. Garde-moi irréprochable pour le retour du Seigneur. Garde-moi esprit, âme et corps irréprochable pour le retour du Seigneur. Oui, c'est pour cela, Père. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave mon être entier par le sang de l'agneau. Et que je sois trouvé irréprochable. Si Jésus revient, que je sois irréprochable. Saint-Esprit, regarde mon cœur, scanne-moi. Regarde si je suis sur le mauvais chemin. Ramène-moi sur le chemin de la vie. Ramène-moi sur le chemin, Seigneur, de l'éternité. Ramène-moi sur ton chemin, afin que je ne rate pas l'enlèvement. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie pour ta famille qui ne connaît pas le Seigneur. Prie pour ta famille qui ne connaît pas le Seigneur. Tu peux prier pour tes enfants. Tu peux prier pour ton époux. Tu peux dire, mon Père, je viens remettre à tes pieds. Je viens, Seigneur, remettre à tes pieds mon époux, ma femme, mes enfants, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Je te prie, Seigneur, que eux aussi puissent te connaître. Que le mystère de ta connaissance, Seigneur, les touche. Que la grâce de ta connaissance les localise, afin qu'ils puissent te connaître et te servir. Et qu'ils ne ratent pas l'enlèvement. Dans le nom de Jésus. Je viens, Seigneur, te confier ma famille. Je viens te confier mes enfants. Je viens te confier, Seigneur, mon époux. Je viens te confier mon épouse. Je viens te confier mes frères et sœurs. Je viens te confier mes parents, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Que la grâce de ta connaissance les localise aujourd'hui. Seigneur, entends ma voix, entends ma prière. Que la grâce de ta connaissance les localise et que ma famille puisse te connaître et que mes enfants puissent te connaître. Seigneur, oh Dieu, par la capacité que tu as de t'assujettir toutes choses, que tu puisses toucher le cœur de mon fils, que tu puisses toucher le cœur de ma fille,
partout où il va aller. Seigneur, que la grâce, oh Dieu, de ta connaissance puisse le rattraper là où il sera. Partout il pourra aller, même parmi ses amis, qu'il y en ait un, Seigneur, qui puisse, par lequel tu puisses parler pour qu'il soit touché. Je t'en supplie, Seigneur, sauve ma famille, sauve mes enfants. Il est écrit dans ta parole, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, sauve ma famille, sauve mes parents, sauve, Seigneur, mes enfants. Sauve mes frères, sauve mes frères, Seigneur, mes sœurs, oh Dieu. Sauve mes sœurs, sauve mes frères, sauve ma famille, Seigneur. Ma famille restreinte et ma famille large, oh Dieu. Sauve, Seigneur, oh Dieu, et fais-moi grâce, parce que tu es Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors maintenant, tu peux demander les choses qui concernent ta vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui êtes devenus des membres. Tu peux demander ce que tu veux dans ta vie, car il est écrit dans la parole de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors que tu as cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu, maintenant tu peux demander ce que tu veux. Alors c'est le bon moment parce que tu es dans la volonté de Dieu. Tu as d'abord demandé les choses qui contribuent à ta vie spirituelle et maintenant tu peux demander les choses qui concernent ta vie séculière, ta vie, tes enfants, tout ce dont tu as besoin, tu peux demander maintenant car la grâce de Dieu est là. Alléluia. Oui, il est là. Le Dieu, l'Éternel, Jiré, est là. Le Dieu, Jéhovah, Jiré, est là. Le pourvoyeur, il est là au milieu de nous. Alors, tu peux demander. S'il y a des choses qui manquent dans ta vie, toi qui avais mis 2, toi qui avais mis 3, toi qui avais mis 1 aussi, tu peux demander plus de consécration, plus de grâce, plus de faveur. Tu as besoin d'argent, tu peux demander. Il est capable de t'envoyer un poisson dans lequel tu vas ouvrir la bouche et tu vas prendre l'argent dans la bouche du poisson. Il est capable de le faire. Alléluia. Il est capable de t'envoyer des bienfaiteurs. Il est capable, même avant minuit, de te visiter et de te donner un miracle. Il est le Dieu qui crée les miracles dans ta vie. Il est celui qui crée du néant. Il ramène les choses qui n'existent pas à l'existence. Il prend le néant pour créer quelque chose. Il prend le néant pour sortir quelque chose. Alors tu peux prier, tu peux demander à Dieu quelque chose que tu as besoin de voir dans ta vie. Tu peux demander à Dieu une porte que tu veux voir s'ouvrir dans ta vie. Tu peux demander à Dieu un mariage que tu veux avoir dans ta vie. Tu peux demander à Dieu maintenant quelque chose qui te tient à cœur. Tu peux demander à Dieu. Oui, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là, Jéhovah Jireh, il est là. Alléluia. Il est celui qui pourvoit à tes besoins. Celui qui a permis que Abraham ne puisse pas égorger son fils, mais que Abraham puisse prendre le bélier qui était attaché par les cornes. Alléluia. Oui, il y a peut-être un bélier quelque part, qui est attaché quelque part que tu ne vois pas. Mais il va t'ouvrir les yeux afin que tu puisses voir cela. Demande tout simplement et que l'Éternel t'accorde ce que tu es en train de demander dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te donne les désirs de ton cœur, qu'il puisse te les accorder. Il n'est pas trop tard pour toi, ce n'est pas terminé. Il est celui qui a donné un enfant à Sarah à un âge très avancé. Il est celui qui te donnera aussi ta bénédiction, même si l'âge est avancé. Il est celui, bien-aimé, qui vient ramener la paix. Il est le prince de la paix. Là où il y a des troubles dans ta vie, il ramène la paix maintenant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire, car il est derrière sa parole pour l'accomplir. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Tendre Père, merci pour cette session. Je te bénis pour l'exaucement, je te bénis pour les cœurs que tu as transformés encore. Je te bénis pour l'esprit et l'onction de la connaissance que tu as déversée dans la vie de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tous ceux qui ont été connectés et merci pour ceux qui vont se connecter ensuite. Que toute la gloire te revienne. Garde-nous fidèles à toi, Seigneur, afin que nous puissions être là tout à l'heure, le soir pour la guerre de minuit. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié, soyez bénis. Nous disons 3 fois Amen, 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 Amen. Alors bien aimé, s'il vous plaît, ne partez pas sans aimer la vidéo. Vraiment, ne partez pas sans aimer la vidéo. Vous avez été bénis, aimez la vidéo. Si c'est pour vous la première fois d'être connecté sur la tour de prière Semeur, alors je vous dis, vous êtes la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Cliquez juste sur s'abonner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Tour de prière Semeur et cliquez sur la cloche des notifications et aussi, vous pouvez aussi devenir membre si vous êtes touché. Amen. Vous pouvez devenir membre. La Tour de prière Semeur est une famille. Et si vous n'avez pas une église d'attache, vous pouvez vous joindre à nous et devenir membre de la Tour de prière Semeur. N'oublions pas, bien aimé, ce dimanche, nous aurons un seul culte et nous aurons la Sainte Cène. Alors, la présence de tous, de tout le monde, de tous est souhaitée. Je veux que toute la famille internaute soit là. Je parle par la foi. Toute la famille internaute soit là. Alors, nous sommes au 1 rue Fernand Reynaud. Zone industrielle de la Porte Paris, 91 100 Corbeil-Essonne. Venez, nous allons prendre la Sainte Cène ensemble.
Nous sommes en train de nous préparer pour cela. Et tout à l'heure, je pense qu'on a prière aussi à 17h, j'ai oublié, prière à 17h avec le pasteur. Il est en train de préparer ce moment-là que nous aurons ici le dimanche. Donc venez, 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 venez prendre la Sainte Cène, emmenez les enfants, venez prendre la Sainte Cène et le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Alors, prenez l'adresse, notez l'adresse, soyez là. Donc tout à l'heure à 17h, il y a la prière. Et demain, vendredi, nous aurons aussi la prière à 18h ici à l'église. Et le dimanche, nous serons tous ici. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Gabod est toujours là. Vous pouvez partager tous les jours. Partagez tous les jours. Partagez dans les groupes Facebook. Partagez, partagez, partagez pour que le nom du Seigneur soit glorifié, pour que la Gabod de l'Éternel puisse toucher des personnes, puisse transformer des vies. Alors soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous dis donc à très, très bientôt. Ciao, ciao. Voici devant ton trône de gloire. Parfume-nous de ta gloire éternelle, car nous savons que ta Shekinah, ta doxa, est la récompense de ceux qui marchent avec toi. Ô Père éternel, inonde-nous, sature-nous de ta gloire. Kabod, Kabod, demeure avec nous, afin que nous soyons des pistes d'atterrissage de ta gloire. Car là au ciel, il y aura que la gloire éternelle. Béni soit ton nom. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification. Que Dieu vous bénisse.